Et si ça a fonctionné pour toi? Mais si c'est le cas, que tu es déjà conscient de ta possibilité d'entrer dans un état d'hypnose, j'aimerais, si tu es d'accord, je lisais un livre magnifique qu'une abonnée m'a conseillé. Je la remercie du fond du cœur. C'est un livre qui s'intitule « Nous ne rêvions que de liberté ». Waouh, waouh, waouh. Il y a longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi passionnant. Et lorsque je me suis mis à lire ce livre, je l'ai lu journée, je crois, une journée et demie. Il pouvait se passer n'importe quoi autour de moi. J'étais pas là, j'étais dans le livre. Je sais pas si c'est déjà arrivé cet état-là, mais cet état-là, à partir du moment où tu n'es pas dans ton état normal, alors tu es dans un état modifié de conscience, à savoir un état. Donc j'ai été en hypnose pratiquement une journée et demie. Parce qu'il aurait pu se passer n'importe quoi. J'étais pris dans ce livre. J'ai raconté l'histoire, mais pas tous les détails à ma fille. Et du coup, par curiosité, elle a pris le livre. Elle a lu la première page, la deuxième page, la troisième. Et là maintenant, elle en est à la 300 et quelques pages. États-Unis, on ne dit pas hypnose, on ne dit pas on entre en hypnose, on dit on entre en transe. Et je trouve que ce mot est beaucoup plus correct, car c'est une forme de transe. Je préfère ce mot. Mais c'est un mot en France qui est mal compris. Ou plutôt, la définition qu'on en donne, en fait, elle n'est pas en phase avec ce mot hypnose. Alors depuis tout à l'heure tu m'écoutes, tu me regardes peut-être, tu es attentif à ce que je dis, mais à partir du moment où tu restes absorbé par ce que je dis, alors tu entres déjà en transe. C'est ce qu'on appelle une transe hypnotique. Parfois je raconte des histoires et parfois on me dit c'est fou, j'arrive pas. C'est-à-dire que quand je commence à parler, je capte l'attention. Eh bien, on peut considérer que tu es déjà dans une transe hypnotique. C'est surprenant. Ce que je te propose dans cette vidéo, si tu es d'accord, évidemment, en même temps, si tu n'étais pas d'accord, je pense que tu ne regarderais pas cette vidéo. Et tu l'écouterais encore moins. C'est d'entrer en transe. Et on va faire donc une transe hypnotique profonde. Le but, c'est de te faire
parce que je pourrais commencer lorsque je vais démarrer. D'ailleurs, j'ai peut-être démarré la séance. Peut-être que tu es déjà en train d'entrer dans cette transe hypnotique. Peut-être que tu es déjà d'ailleurs dans la transe hypnotique. D'ailleurs, je me demande de quelle manière tu entres dans cette transe hypnotique. Lorsque tu vas entendre cette musique va t'accompagner. Et on va faire ce qu'on appelle un ancrage. Je vais ancrer cette musique. Et à chaque fois que tu vas entendre la musique, tu vas entrer encore plus profondément dans le sommeil. Dans un sommeil récupérateur. Un sommeil profond. Où tu te sentiras merveilleusement bien. Si tu es d'accord avec tout ce que je viens de dire, alors, et si tu es en plus hyper réceptif, bah tu peux fermer les yeux et dormir maintenant. Je dis ça en souriant, mais lorsque l'on entre en état d'hypnose, la deuxième fois, on entre encore plus facilement. La troisième fois, c'est encore plus facile que la deuxième fois. C'est pour ça que je t'invite à écouter et réécouter les vidéos pour dormir, car tu pourras remarquer que tu entres dans une phase de sommeil encore plus facilement. Et en plus, à chaque fois, c'est un sommeil profond et qui fait du bien. Et pendant que tu m'écoutes et que cette petite musique est en train de se jouer, je t'invite à prendre la meilleure position. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider par mes paroles, par ma voix, dans cette vidéo. Je vais ralentir le mouvement de mes lèvres. Je vais parler de plus en plus lentement. Et tu pourras constater qu'à chaque fois que je ralentis et que dans les moments où ma voix s'arrête, et que cette musique t'accompagne, une envie de dormir t'envahit. Parfois on peut ressentir comme un ralentissement dans ses pensées, un ralentissement musculaire aussi, comme si en fait l'esprit ont simplement envie de s'arrêter, de se détendre. Et pendant que la musique coule, pendant que la musique joue, tu peux ressentir cette envie. À chaque fois que je vais t'accompagner avec mes phrases, mes mots, tu vas ressentir l'envie de fermer les yeux et de te laisser aller complètement vers le chemin du sommeil. Un sommeil réparateur.
cette musique et par ma voix. Et plus tu laisses cette musique te bercer, plus cette envie de si des poids étaient posés sur les paupières et qu'il était impossible de résister, comme si les yeux se ferment complètement. Cette musique t'emmène dans un voyage magnifique. Un voyage féerique. Tu es libre d'aller où tu veux, de te laisser guider. Je me demande de quelle manière tu entres en transe maintenant. Manifeste chez toi maintenant. Parfois, il m'arrive d'avoir tellement envie de dormir. Il est impossible pour moi d'ouvrir les yeux. L'esprit commence à se laisser aller au pays du sommeil. À partir de maintenant, je vais compter jusqu'à trois. Lorsque j'aurai dit 3 et que tu entendras la musique, alors tu te laisseras aller complètement. Tu sais que à 3, le sommeil que tu es venu chercher est un sommeil réparateur. Un sommeil apaisant, un sommeil qui restructure complètement ton corps et ton esprit, un sommeil profond. Alors laisse-toi porter par ce sommeil. Entre en phase d'endormissement maintenant. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, et tu as besoin que je t'accompagne encore un peu, alors laisse-toi porter par
ma voix et cette musique qui te berce tranquillement. Si tu as besoin encore que je t'accompagne, alors j'aimerais que tu portes attention à ton corps. J'aimerais que tu portes attention au ressenti de ton corps. Remarque comment les muscles de ton corps se relâchent. Ressens cette détente. Peut-être que tu as besoin de visualiser tout ceci. Alors imagine. Cette musique t'accompagne et plus le sommeil devient profond et plus le sommeil devient profond et plus tu récupères de l'énergie et lorsque tu seras prêt. Lorsque tu auras fait une nuit complète de sommeil, tu pourras remarquer que tu te sens merveilleusement bien, exactement de la même manière que quand tu étais petit, tu te laissais. Insouciance complète et tu te laissais aller à un sommeil profond. D'ailleurs, je me demande de quelle manière tu entres dans ce sommeil. Je me demande comment ton corps et ton esprit s'organisent. Il est vrai que lorsque les paupières se ferment et sont lourdes, il est beaucoup plus facile de trouver le sommeil et de dormir. Laisse-toi aller maintenant. Je t'ai dit que lorsque tu écoutes une vidéo d'hypnose, alors la deuxième fois, tu entres encore plus facilement dans cet état de transe. Alors
À bientôt.